Oui, t'as pas honte de partir en vacances et de laisser ton fils. Heureuse maman d'un petit Mani né en février dernier, Mila Jasmine a décidé de quitter Dubaï afin de rendre visite à sa famille dans le sud de la France. La femme de Lorenzo en a également profité pour prendre un vol direction la Sardaigne avec son mari, laissant ainsi le petit Mani à sa grand-mère durant les 6 jours en amoureux qu'elle a pu passer à l'étranger. Cela n'a pas été du goût de tous et Mila Jasmine a décidé de revenir sur les critiques qu'elle a pu recevoir. C'est vrai que j'ai réagi à aucun commentaire que j'ai pu voir durant mes vacances parce que je voulais vraiment profiter de mes vacances pleinement. Surtout que ça faisait longtemps qu'avec mon mari on ne s'était pas retrouvés et qu'on a voulu profiter de ces 6 jours intensément. Mais après coup, même s'il y a eu très très peu de commentaires, j'en ai quand même vu où des gens se sont permis quand même de me dire oui, t'as pas honte de partir en vacances et de laisser ton fils. Alors, déjà, je pars en vacances avec mon mari, je suis pas partie avec des copines genre en mode ouh, je suis partie avec mon mari et quand bien même je serais partie avec des amis, mon fils, il a quasiment 6 mois, mon fils n'est pas chez une inconnue, mon fils est avec ma mère, c'est-à-dire sa grand-mère, qui n'a pas la chance de le voir souvent parce que j'habite à Dubaï et que ma famille habite dans le sud. Je veux dire, ma mère, elle a été la plus heureuse au monde de pouvoir partager autant de moments avec son petit-fils parce que la dernière fois qu'elle a vu Mani, c'était lors de mon accouchement et elle est restée que 10 jours, si vous vous souvenez. Donc du coup, il s'est passé quasiment 5-6 mois avant qu'elle ne revoie mon fils. Pareil pour ma grande sœur, elle est très 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 heureuse de pouvoir passer du temps avec Mani. Je veux dire, j'ai confiance en ma famille. J'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire non mais t'as pas honte de laisser ton enfant à sa grand-mère avec ce qui s'est passé avec le petit Émile et tout. Mais vous vous rendez compte, genre vous vous rendez compte, genre les comparaisons que vous faites. Mila Jasmine est tout bonnement choquée des commentaires qu'elle a pu recevoir et a tenu à rappeler qu'elle reste une femme avant tout. Celle qui a déclaré avoir régulièrement appelé sa mère pour s'assurer que tout allait bien ne compte pas laisser les internautes lui enlever son sourire. 6 jours pour moi, c'était énorme, je vous mens pas. Je pensais à mon fils tous les jours. Je me suis dit, voilà, on va partir en vacances avec mon mari. Et c'est pas parce que j'ai fait un enfant que je ne pourrais pas partir en vacances avec mon enfant. Bien évidemment qu'on pourra partir en vacances ensemble et c'est le but d'une vie, de fonder une famille. Mais c'est pas parce que j'ai fait un enfant que je peux partir en vacances avec mon mari parce que j'ai peut-être envie de faire des choses aussi d'adulte. Je suis une femme avant d'être une maman, d'accord? Je suis pas qu'une maman. Pareil pour mon mari, il y a des choses qu'on a envie de faire, on a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de déranger notre fils, on n'a pas envie de le réveiller, on a envie en fait de passer un moment entre adultes et ça fait pas de moi une mauvaise mère. Si certaines femmes, certaines mamans, mais bon je pense pas, parce que la plupart c'est toujours des meufs qui n'ont jamais eu d'enfants qui viennent juste critiquer, parce que je suis sûre que toutes les mamans elles comprendront. Et s'il y en a qui ne me comprennent pas et qui n'ont pas le besoin de partir quelques jours en vacances avec leur mari, bah franchement, tant mieux les filles. La vérité, je suis contente pour vous. Mais je veux dire, on est toutes différentes. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir faire garder vos enfants par vos parents, j'en suis désolée, mais il ne faut pas, avoir la haine ou rejeter la faute sur moi, puisque moi, je n'y suis pour rien. On vous laisse donner votre avis en commentaire. Quant à nous, on continue de rester à l'affût sur les réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on aura pu dénicher sur la toile.